Aujourd'hui, René Harper a joint courageusement sa voix aux milliers de personnes qui demandent une enquête nationale publique sur le sort des 1200 femmes autochtones disparues et assassinées. Elle se joint aux familles des victimes, aux provinces et à la société civile qui ont tous compris que pour aller de l'avant, il faut comprendre les causes de cette violence. Le gouvernement va-t-il honorer et écouter Rinelle Harper et ses milliers de voix et lancer une enquête nationale? Bravo! Bravo.